La grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous bénisse et qu'il se manifeste fortement dans vos vies d'une manière exceptionnelle et d'une manière glorieuse. Que l'éternel Dieu, le Dieu de mon onction, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, que ce Dieu-là soit votre Dieu. Je voudrais bénir tous les couronnés qui sont connectés en ce moment. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, derrière ton nom, ajoute, ou ton prénom, rajoute couronné. Alors, bien-aimé, que Dieu bénisse les couronnés de Jésus-Christ. Tu es couronné pour la gloire, tu es couronné pour la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, bien-aimé, nous sommes là pour la prière. Tu dois être déterminé à la prière et à la puissance de Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a une grâce exceptionnelle qui va se manifester fortement dans ta vie. Écoute-moi te dire, si tu suis ces orientations, ces directives comme il faut, tu verras la gloire et la puissance de Dieu se manifester dans ta vie d'une manière exceptionnelle. Nous avons un Dieu qui exauce les prières. Je répète encore, le Dieu que nous prions est le Dieu qui exauce les prières. Il exaucera tes prières. Il accomplira ses promesses dans ta vie. Alors, sois déterminé, bien-aimé dans le Seigneur. Cette fois-ci, Dieu doit s'élever. Dieu doit se manifester. Dieu doit glorifier son nom d'une manière exceptionnelle dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un commencer à faire monter des fires. Là où tu es, oui, tu fais bien de le faire. Commence à faire monter des fires. Et pendant que tu es connecté, commence à liker la vidéo et invite quelqu'un pour, n'est-ce pas, entrer dans la présence de Dieu. J'ai dit bien, invite ceux qui sont dans le groupe de la couronne, pas ailleurs. Nous avons dit que ce lien, ce n'est pas à partager à quelqu'un d'autre. C'est un programme privé avec des orientations privées, avec des recommandations privées. Et bien aimé dans le Seigneur, en envoyant, n'est-ce pas, le lien à quelqu'un d'autre, vous risquez d'annuler, n'est-ce pas, la puissance de votre sacrifice à cause de la désobéissance. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un est déterminé? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ton manteau prophétique. Nous allons continuer dans la prière, bien-aimé, pour détrôner les rois, détrôner les royaumes, renverser les royaumes, détrôner les chefs des terres, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui travaillent dans le sacré maléfique de nos familles. Nous allons les renverser dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de prier pour que l'Éternel t'accorde ta couronne. Je disais que le Dieu de mon onction, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, que ces dieux-là t'accorde ta couronne. Bien-aimé, je dis qu'il t'accorde ta couronne. Je viens t'annoncer que tu porteras cette couronne au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, comme Esther, qui était destinée à l'esclavage, a fini dans la maison du roi. Bien-aimé dans le Seigneur,
tu finiras dans la maison du roi. Ce qui est à toi est à toi. Tu vas détrôner le royaume. Tu vas détrôner les principautés. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les puissance de ténèbres, les principautés. Bien-aimé, tu vas utiliser l'huile de service. Je dis bien l'huile de service. Tu prends ton manteau prophétique, tu prends l'huile de service et tu oues toutes tes mains. Alléluia. Malabradia soprada. Kimantu karadia ya kaprada dosi. Lade kalimantu prada dabase. Ladia sopradia ndadia bosa. Radia kaprada dia sopradada. Ladia manduche pradada. Karadio sopradia sopra. Le mandadia saprado. Koladia shimandi karabadosa. Radia soprada. Malepradia so. Kete lia mantu karabada. Rada yabadosa. In the mighty name of Jesus. Bien-aimé, tu vas prendre l'huile d'onction. Tu vas oindre tes mains. Tu vas oindre toutes tes mains. Maradarababa. Oindre toutes tes mains jusqu'à bien-aimé dans le Seigneur. Tout le doigt. Bien-aimé, tu oindre les annulaires. Tout le doigt de tes mains. Tu vas commencer à oindre tes mains. La dadia sopradadaba. Mimbra dadade sapra. Kepradiosa. Pendant que tu es en train de déclarer cela, pendant que tu es en train de oindre les pommes de tes mains et toutes tes mains, tu es en train de proclamer, de déclarer la parole de Dieu dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, il y a des choses que tu dois toucher dans tes mains. Je t'annonce et je te dis, il y a des choses que tu dois toucher dans tes mains. L'Éternel est Dieu te l'accordera. Je le dis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'Éternel est Dieu te l'accordera. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu touches dans tes mains? Commence à proclamer cela. Entre dans le prophétique. Commence à déclarer. Commence à prophétiser. Commence à parler. Entre dans le prophétique. Commence à déclarer. Qu'est-ce que tu possèdes dans tes mains? Qu'est-ce que Dieu met dans tes mains? Qu'est-ce que l'Éternel est en train de poser entre tes mains? Qu'est-ce que tu reçois, bien-aimé dans le Seigneur? Pendant que tu es en train de oindre les pommes de tes mains, commence à prophétiser sur tes mains. Commence à briser toute forme d'interdit maléfique sur tes mains. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je brise dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Tout interdit sur mes mains, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été déclaré comme interdit dans mes mains, je les brise au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mes mains sont des instruments de puissance. Mes mains sont des instruments de gloire. Alors que je suis en train de battre mes mains, il y a le grand carnage dans le camp des ennemis. Alors que je suis en train de battre les mains, il y a le grand carnage dans le camp des ennemis. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prophétiser. N'attends pas que quelqu'un prophétise à ta place. Élève ta voix. Commence à prophétiser sur le pomme de tes mains. Mes mains sont bénies. Mes mains sont des instruments de puissance, de gloire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare maintenant par mes mains, j'entre dans ma destinée glorieuse en puissant et précieux de Jésus-Christ. Je reçois l'onction de Dieu qui me distingue parmi plusieurs. Je reçois la grâce de Dieu qui me distingue parmi plusieurs en puissant
et précieux de Jésus-Christ, je déclare maintenant la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, au nom de Jésus-Christ, mes mains sont lavées par le sang de Jésus-Christ, lavées par le sang de Jésus-Christ. Je déclare par mes mains, je possède mon héritage glorieux, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Avec ses mains, je bâtirai des grandes choses, j'accomplirai des grandes choses. Ce que mon père n'a pas pu accomplir, moi je l'accomplirai. Ce que ma mère n'a pas pu accomplir, moi je l'accomplirai. Les niveaux que mon père n'a pas pu atteindre, moi j'atteindrai ce niveau-là. Les niveaux que ma mère n'a pas pu atteindre, j'atteindrai cela à cause de la puissance de Dieu. Mes mains accomplira des exploits. Mes mains ont été créées pour accomplir des exploits. Mes mains ont été créées pour accomplir des exploits. Mes mains ont été créées pour accomplir des exploits. Maintenant, on est puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que mes mains ont été créées pour accomplir des exploits. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je bénis mes mains. Je prophétise sur mes mains. Je déclare que mes mains sont des instruments de puissance, des instruments de gloire. Je le déclare maintenant. Je le prophétise maintenant. Je le prophétise maintenant. En puissant et précieux de Jésus-Christ. Faïa, tout ce qu'on m'a volé sur mes mains, maintenant, je récupère tout ce que le diable a volé dans mes mains. Je refuse la main de paresse. Je refuse la main de paresse dans ma vie. Je refuse la main de paresse. Je refuse toute forme, toute sorte de paresse dans ma vie, dans mon corps. Je refuse. Au nom de Jésus-Christ, je m'attaque par le feu de Dieu à tout rongeur maléfique qui vient voler le fruit de mes mains. Je l'attaque, je le brise, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout voleur maléfique qui vient voler ce que Dieu a déposé dans mes mains. Maintenant, je l'attaque maintenant par le feu, en puissant et précieux de Jésus-Christ. En puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare, par le feu de Dieu, je détruis les chaînes placées sur mes mains qui m'empêchent de posséder mon héritage. Que les chaînes maléfiques sur mes mains soient brisées. Les chaînes des prisonniers sur mes mains soient brisées. Fire, maintenant, le feu de Dieu brise les chaînes de condamnation. Toute condamnation qui était sur mes mains, qui avait lié mes mains, je brise par le feu qui m'empêchait de toucher au miracle, Toute barrière tombe maintenant, toute barrière spirituelle positionnée devant ma vie, tombe maintenant, tombe maintenant,
tombe maintenant. J'envoie les bulldozers de fire, 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 pour aller chercher, briser les fondations, les fondements, les fondations maléfiques qui m'empêchent d'entrer, de posséder ma saison. Maintenant, je déclare dans les mains puissants et précieux de Jésus-Christ que toute barrière positionnée devant ma destinée est brisée maintenant. Commence à briser cela. Le fondation maléfique positionné devant ta destinée est brisé maintenant. Rababa, Shabrada, Arabada, Dadada, Shabrada, Daba, Mandabada, Shabrada, Daba, Bradada, Baba, Shadababa. Commence à prier. Élève ta voix, prière. N'attends pas que quelqu'un prie à ta place. N'attends pas que quelqu'un cherche Dieu à ta place. Commence à faire tomber les barrières dans ta vie. Commence à faire tomber toute barrière positionnée par ta famille qui t'empêche de toucher à la destinée glorieuse que Dieu a placée devant toi. Que ces barrières tombent. Les barrières contre ton mariage, les barrières contre ton entreprise, les barrières contre la création de ton entreprise, les barrières de sorcellerie contre ta percée divine, les barrières contre ta richesse, les barrières contre ton positionnement, contre le positionnement dans la destinée que Dieu a tracée pour toi, que les barrières tombent. J'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un aimer savoir que les barrières tombe dans ma vie. Je m'attaque contre les barrières invisibles, J'entends quelqu'un prier ici. Commence à prier. Continue dans la prière. Tu fais bien de prier. Commence à t'attaquer aux barrières invisibles. Les barrières invisibles qui sont devant toi, qui t'empêchent. Les résistances. Maintenant, lorsque tu pries, j'ai dit, tu es en train de prier en battant tes mains, parce que tes mains sont des instruments de puissance. Tu es en train de prier en battant tes mains, parce que tes mains sont des instruments de puissance. Maintenant, tu vas utiliser tes mains. Tu vas renverser les barrières positionnées devant ta destinée. Les résistances. Alléluia. Seigneur, envoie les bulldozers de feu. Envoie tes anges, les anges les plus puissants, pour briser toute barrière qui m'empêche d'entrer dans mon mariage. Ça tombe maintenant. Fire. Fire. Que les barrières tombent. Les barrières positionnées devant ma vie. Les barrières positionnées devant ma destinée. Maintenant tombe. Je dois entrer. Commence à battre tes mains. Tu es en train de faire tomber les barrières. Commence à battre tes mains. Tu fais tomber les barrières. Que les barrières de la lignée de ma famille, les limitations de la lignée de ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, qui se posent contre ma vie, commence à tomber. Je me désolidarise à toutes sortes, à toutes formes de barrières qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée. Yahweh, que ces barrières maléfiques tombent maintenant.
tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, par le feu, par le feu, par le feu, je déclare maintenant, par le feu, que toute barrière maléfique positionnée devant ma vie, positionnée devant ma destinée, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant. Maintenant, maintenant tombe, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, maintenant, maintenant, je m'élève contre les barrières spirituelles, je m'élève contre les barrières sorcelleriques, je m'élève contre les barrières à ma percée divine, je m'élève contre les barrières à ma sanctification, je m'élève contre les barrières qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée. Je me lève contre cela. Faya. Ya 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 ya. Faya ya 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 ya. Ya ya. Ya ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Maintenant, je fais tomber les barrières qui me font, qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée. Toute barrière, toute opposition, toute alliance qui a positionné des barrières, des murs invisibles devant ma destinée, que ces murs tombe, je m'attaque au mur de Jéricho, au mur de Jéricho, je m'attaque à tout mur spirituel devant ma vie, je m'attaque à tout mur spirituel devant ma destinée, maintenant, 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 que ce mur tombe, que ce mur tombe, maintenant, maintenant, par le feu, par le feu, par le feu, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout mur spirituel, tout mur spirituel qui m'empêche d'entrer dans ma destinée glorieuse commence à tomber maintenant, commence à tomber maintenant, les murs positionnés par les autels de ma famille. Bien-aimé, pendant que tu pries, tu es en train de battre tes mains, tu es en train de battre tes mains, trop c'est trop, assez c'est assez, ces murs doivent tomber, ces murs doivent tomber, les barrières invisibles, les barrières invisibles positionnées devant ta vie, des barrières invisibles, des paroles, des malédictions qui se positionnent devant ton ciel, sur ton ciel, sur ta tête, commence à briser cela par le feu, commence à annuler cela par le feu, j'annule par le feu, j'annule par le feu, j'annule par le feu, toute parole qui pèse sur ma vie, toute parole qui a été prononcée de la lignée de mon père, de la lignée de ma mère, toute parole qui a été prononcée la nuit, le jour, contre ma vie, maintenant, 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 j'annule ces paroles, faya, ya ya, ya 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 ya, ya ya, faya ya, faya ya, faya ya, ya 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 ya, ya 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 ya. Fire ya 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 ya. Fire ya. Maintenant, maintenant, j'annule les paroles qui planent sur mon ciel. Toute parole qui bloque mon ciel soit brisée maintenant. Toute parole qui a été relâchée sur mon étoile, contre mon étoile. Toute parole de malédiction relâchée contre ma destinée, relâchée contre mes biens, relâchée contre mes entreprises, relâchée contre ma destinée glorieuse, relâchée contre mon mariage. Que ces paroles soient annulées, soient annulées, soient annulées. Que les démons qui travaillent derrière ces paroles soient révoqués, soient jugés, soient sanctionnés. Homme puissant et précieux de Jésus-Christ, je renvoie à l'expéditeur. Rabababa, 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 fayaya, yaya, 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 fayaya, fayaya. Fire ya 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 ya. Maintenant, 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 j'annule leurs paroles, j'annule leurs paroles, j'annule leurs paroles, quelle que soit la position qu'ils occupent dans ma vie, quelle que soit l'alliance de sang qu'il a avec moi, maintenant, maintenant,
J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. Je proclame que j'ai été créé pour accomplir des grandes choses. Ma destinée est glorieuse et personne n'arrêtera le plan de Dieu dans ma vie. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Chapranadadada. Tu prends l'huile d'onction. Tu prends l'huile d'onction. Tu mets un peu l'huile sur tes mains. Tu prends l'huile de service. Tu mets un peu sur tes doigts. Et bien aimé dans le Seigneur, tu vas oindre ta tête en forme de couronne. Tu vas oindre ta tête en forme de couronne. Tu oindres ta tête en forme de couronne. Et nous sommes en train de prier. Tu oindres ta tête en forme de couronne. Pendant que tu es en train de faire cela, tu es en train de prophétiser. Tu es en train de déclarer les paroles. Tu es en train de prophétiser. N'attends pas que quelqu'un prophétise à ta place. N'attends pas que quelqu'un prophétise à ta place. En homme puissant et précieux de Jésus-Christ. En homme puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu mets un peu d'huile d'onction sur ton manteau prophétique. Bien-aimé, ton manteau doit être un manteau qui a été consacré. Donc ne prends pas seulement un mouchoir et tu dis ça devient le manteau. Non, bien-aimé, il y a un service sacré et puissant et prophétique sur le manteau. Tu prends ton manteau et toi qui as déjà fait ton manteau, il y a longtemps, bien-aimé, tu n'as jamais arrosé ton manteau. Tu n'as jamais renforcé ton manteau. Bien-aimé, une arme qui n'est pas chargée n'a pas d'effet. Une arme qui n'est pas chargée ne peut rien faire. Une arme qui n'est pas chargée devient une décoration. J'ai dit une arme qui n'est pas chargée devient une décoration. Voilà pourquoi ton manteau prophétique, dans des services aussi puissants, tu dois renforcer, arroser ton manteau jusqu'à ce que ton manteau puisse avaler. Avaler la sorcellerie de ta famille. Avaler tout problème qui est arrivé dans ta vie. En homme puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu poses ton manteau sur ta tête. Maintenant, alors que tu es en train de prier, tu vas maintenant faire tomber toute couronne maléfique sur ta tête et tu vas déclarer que le manteau prophétique, que la puissance de Dieu qui est sur le manteau avale tout problème que l'ennemi a mené dans ta vie. Déloge tout démon, déloge tout sorcier, déloge toute œuvre de l'ennemi Satan dans ta vie et dans ta destinée par le manteau prophétique. Non, Mandora Shepradada, Shabradada, Brede Shaprada, Mandora Badisha, Keprada Baba, Mandora Badiasa, Kepradia Soprada, Leprada Dadesa, Mandu Rabadaba, Rababa, Shapradada, Mimpradada. Commence à prier le Seigneur, commence à prier le Seigneur, commence à prier le Seigneur, que le manteau prophétique avale tout problème dans ta vie que l'ennemi a amené. Tout problème dans ta vie que l'ennemi a amené. Soit avalé. Maintenant. En homme puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, depuis la racine. Tout problème dans ta vie, tout combat dans ta vie, soit frappé par les manteaux. De la même façon que Moïse a utilisé les bâtons comme les manteaux. La Bible dit que les bâtons d'Aaron qui a fleuri, ce bâton-là a avalé. Lorsque Aaron a jeté son bâton, la Bible est en train de dire que son bâton a avalé. Tous les serpents des magiciens, des enchanteurs d'Égypte, au nom de Jésus-Christ, commence à prier maintenant, que les bâtons d'autorité de Dieu puissent frapper, que les manteaux de Dieu puissent frapper tout problème, juge tout problème dans ta vie. Mamando Saprada, Madesa Liabadosa, Imanaraba, Maloprada. Membrada da Mingereso
Arabadosa, Rabada, Yepradada, Malupradiaso, Karadabada, Shepradada, Mimbradada, Latikarada, Imandushapra. Commence à prier, commence à prier. Que ton manteau maintenant, le manteau prophétique, le manteau de Dieu, commence à valer tout problème dans ton corps, dans ta santé. Juge maintenant tout démon qui est derrière ce problème de santé. Maintenant, 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 maintenant. Que l'autorité de Dieu soit répandue par les manteaux. Rababa, Mando Shapra, et Pradadada, et Rabada, Chapromosé, Mande Rababa, et Pradada, fire maintenant, fire maintenant, fire maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à prier là où tu es, bien-aimé. Lève-toi avec une sainte colère. Que le manteau de Dieu commence à avaler. Avale maintenant tout problème que l'ennemi a mené dans ta vie. Tout problème hérité de ta mère. Tout combat hérité de ton père. Tout combat hérité de ta mère. De la lignée de ton père. De la lignée de ta mère. Que le manteau prophétique avale maintenant par la puissance de Dieu. Avale maintenant par la puissance de Dieu. Tout combat maintenant. Que le manteau prophétique déloge, soit l'instrument de la puissance de Dieu pour déloger, pour déloger, pour déloger. Rababa, radadada, chapradada, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le manteau prophétique devienne le feu sur ta tête, devienne le feu dans ta vie. Juge maintenant, 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 tout démon de ta famille, tout sorcier de ta famille, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, tout ce que Dieu n'a pas destiné, n'a pas projeté dans ta vie, qui est dans ton corps, ça va sortir maintenant, ça va sortir maintenant, ça va sortir maintenant, par le feu, par le feu, ça sort, je dis ça sort, je dis ça sort, ça lâche, c'est un ordre, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons, maintenant, 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 je viens maintenant briser, briser, détruire dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a déposé dans mon corps par le feu. Par le feu. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Rababa, Shalaba, Mimandoso, Mandarababa, Ekarababa, Shalebrada, Imbradabo, Saliabada, Mandur Shapra, Ibradada, Rebadosa, Kani Mandu Shepra, Ekarabadosa, Mimande Pradiaso, Radiate Prado, Limantu Kapra, Labado Shepra, Ibradada, Ikarado, Sapradiaso, Ladia Komandia, Limanti Kapra, Lopradada, Sapradiaka, Rupradada, Rediaso, Kani Mandusa, Kamanto Karaba, Ibradadadoshe, Kari Pradadosa, Ladiaso, Mandisa Prado, Karadia Sopra, Limandu Sapra, Lade Caprodo, Radia Sopra, Labradadoshe, Kamandisa Prado, Kali Pradadosa, Limandu Sapra, Ladia Sopradia, Kimandu Sopradada, Karadio Sopra, Male Pradiaso, Kali Pradadada, Limandu Sapra, Ladia Coprada, Libradadosa, Kemandu Saprada, Labado Sopra, Limandusa, maintenant, maintenant, par le feu maintenant, par le feu maintenant, par le feu maintenant, que tout ce qui n'est pas de Dieu dans mon corps soit frappé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu es en train de prier, tu enlèves cette couronne qui était placée sur ta tête, cette couronne qui était placée sur ta tête, commence à enlever cela, commence à enlever cela, faya, faya, yaya, faya, yaya, 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 faya, yaya, yaya. Faya ya ya ya. Maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, maintenant je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, tout fardeau maléfique placé sur ma tête, sur ma vie, toute imposition de fardeau que j'ai hérité de mon père, de ma mère, soit brisé
sorcière, tout mauvais héritage qui pèse sur ma destinée, qui vole ma couronne, soit brisé, soit localisé. Je me désolidarise des autels maléfiques. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève toute marque maléfique sur mon corps, sur mes yeux, sur mon visage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je brise toute identité qui m'a été donnée. Toute identité maléfique de la famille de mon père, de la famille de ma mère, qui m'a été attribuée, qui m'a été imposée depuis ma naissance jusqu'à ce jour, que cela soit brisé. Maintenant, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, je proclame la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans ma vie. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi dans ma vie maintenant. Lève-toi, Seigneur. Brise maintenant ce qui n'est pas de toi. Détruis maintenant ce qui n'est pas de toi. Yahweh, Yahweh, toute couronne qui était posée sur ma tête, maintenant, soit enlevée, soit enlevée, soit enlevée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Yahweh, tout combat face à mon couronnement soit vaincu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Yahweh, que les conspirations, les projets de l'ennemi Satan contre ma destinée, les conspirations des sorciers de ma famille contre ma destinée soient brisées, soient vouées à l'échec. Que tout rassemblement, toute réunion qui est faite la nuit, les jours, contre ma couronne, contre mon mariage, contre ma destinée glorieuse, maintenant, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas oindre, Yash, tu vas oindre ton ventre, tu vas oindre ton ventre, tu oindres tout ton ventre et ton nombril. Pendant que tu es en train de oindre ton ventre et ton nombril, tu es en train de prier. Tout ce que tu as avalé depuis ta naissance jusqu'à ce jour, bien-aimé, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'empêche dans ton corps, tout ce qui t'empêche dans ton corps d'entrer dans ta couronne, soit brisé, soit détruit en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un lever sa voix. C'est maintenant que tu dois prier. Maintenant, commence à briser toute maladie qui a logé dans ton corps, qui a pris un corps, qui a pris ton corps, tout démon derrière cette maladie, que cette maladie soit expulsée, que tout ce que Dieu n'a pas déposé dans ton corps soit expulsé. J'ordonne à cela maintenant, toute déformation de ton corps, maintenant, soit brisée, tout démon de déformation, tout démon de déformation, de maladie, de problème dans le ventre, dans le corps, soit localisé. Sors, c'est un ordre, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, c'est un ordre, je te donne l'ordre de sortir maintenant, lâche prise, maintenant, par le feu, c'est un ordre, lâche prise, par le feu, rabababa, charabababa, tout ce que j'ai avalé, tout ce qui est entré dans mon corps, tout ce qui est entré dans mon corps, par les moyens des maris et femmes de nuit, toutes ces manches des hommes que j'ai reçues dans mon corps, toutes ces manches des femmes que j'ai reçues dans mon corps, qui bloquent ma couronne, qui bloquent ma percée, soit brisées maintenant, bien-aimé, brise cela avec une sainte colère, brise cela avec une sainte colère. Toutes ces manches que tu as reçues la nuit, le jour, consciemment ou inconsciemment, qui est en train de bloquer le processus de miracle dans ta vie, soit ôté maintenant, soit ôté de ton corps, par le feu maintenant, par
par le feu maintenant tout démon de déformation de corps, tout démon qui vole les semences, tout démon qui brise ta vie maintenant, soit ôté, soit localisé, soit frappé par le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à prier. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de battre tes mains. Maintenant, Seigneur, j'en donne à tout ce que tu n'as pas déposé dans mon corps. Sois ôté maintenant. Sois ôté par le feu. Sois ôté par le feu. Sois ôté par le feu. Fire, ya, fire, ya, 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 ya. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je me lève maintenant, pour renverser, tout démon, renverser, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, maintenant, tout homme qui a utilisé mon corps, toute femme qui a utilisé mon corps d'une manière maléfique, qui vient la nuit, qui revendique que tu es sa femme, que tu es son mari, maintenant, brise cette alliance de la lignée de ton père, de la lignée de ta mère, celui qui a conclu un mariage nocturne, un mariage sorcellerique qui a condamné ta vie. Maintenant, brise cette alliance, toute alliance qui condamne ta vie sentimentale. Maintenant, monte dans la prière. Maintenant, que toute alliance qui condamne ma vie sentimentale soit brisée maintenant. Fire, yaya. Ya 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 ya. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, lève-toi Yahweh, lève-toi Yahweh, que l'on sache que tu es Dieu à cause de ce que tu vas faire. Yahweh, lève-toi, agis dans ma vie, lève-toi Seigneur, agis dans ma vie, brise Yahweh les œuvres que l'ennemi Satan. Brise Yahweh, les œuvres de l'ennemi Satan. Lève-toi Yahweh, donne-moi la victoire. Tu es le Dieu de ma victoire. Lève-toi Yahweh, combat pour moi. Hey Yahweh, lève-toi Seigneur, délivre-moi des condamnations de ma famille, délivre-moi de la sorcellerie, de la lignée de mon père, de la lignée de ma mère, délivre-moi des lois, des condamnations, délivre mon âme du filet des lois et l'air, rababa, charabada, mindanaba, rabosha, minderabosha, radiabana, manto caprada. Délivre mon âme du filet de l'oiselaire, de la peste et de ses ravages. Yahweh, délivre-moi Seigneur, de la sorcellerie, délivre-moi Seigneur, des œuvres de la sorcellerie dans ma famille. Délivre-moi des liens de la mort, délivre-moi des liens de la mort. Seigneur, lève-toi maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de prier, nous allons maintenant renverser les trônes. On va renverser les trônes. Renverse les trônes. Les trônes qui volent ta couronne. On va renverser les trônes. Tout trône qui est élevé dans ta vie, sur ta vie, qui combat ta destinée, qui combat ta vie, ça doit être renversé. Renverse ce trône-là. Aujourd'hui, le trône de la sorcellerie, le trône des sorcières, des grandes sorcières dans ta famille doivent être renversés. Contre toi, ça doit être renversé. Maintenant, tout trône qui travaille contre ta vie doit être renversé. Faya. Hey Yahweh. Lève ta voix, prie. Une bouche fermée est une destinée fermée. Si tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Si tu ne cherches pas Dieu, personne ne cherchera Dieu à ta place. Yahweh, je me lève maintenant. Je renverse tout trône
maléfique, je renverse dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ tout drone maléfique qui parle contre ma vie. Soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé par le feu, par le fire, par le fire. Maintenant, maintenant, je renverse tout trône de la sorcellerie. Je renverse tout trône de la malédiction. Je renverse tout trône maléfique qui parle contre ma vie. Yahweh, Yahweh, par le fire, par le fire, par le fire, par le fire. Je renverse le trône de la sorcellerie. Je renverse tout trône qui siège dans ma famille, le trône des sorciers de ma famille restreinte, ma famille élargie, qui condamne ma vie, tout trône qui condamne ma destinée, soit renversé, soit renversé. Je sors de l'autorité de tout trône maléfique qui condamne ma vie. Je sors de l'autorité de tout trône maléfique qui condamne ma vie. Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Fire, fire, fire. Les trônes visibles, invisibles, ce soir, maintenant, alors que je prie que ces trônes soient renversés, que ces trônes soient renversés, maintenant, maintenant, alors que je prie, alors que je lève ma voix, je déclare que ces trônes soient renversés, que ces trônes soient renversés. Tout trône qui travaille contre ma vie, tout trône qui travaille contre ma percée, tout trône qui travaille contre ma destinée, tout trône qui travaille contre mon avenir, tout trône qui travaille contre ma vie, soit renversé, soit localisé, soit renversé, soit localisé, soit renversé, soit localisé, soit renversé. Fire, fire, fire. Ya 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 ya. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Shabradanaba, Yebradana, Mandarababa, Minderebosha, Rabadada, Kapradada, Shabrada, Eyabababa, Eyababa. Je renverse le trône des chefs de terre. 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 Maintenant, 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 je renverse le trône des chefs de terre. Je renverse le trône des chefs de terre, de ma famille, des chefs de terre, de ma tribu, des chefs de terre, de ma famille restreinte ou élargie. Tout chef, tout chef, tout roi, toute reine élevée dans la sorcellerie qui travaille contre ma vie, soit localisé. Je sors de leur emprise. Soit localisé, soit frappé. Lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma destinée, lâche ma destinée, lâche ma destinée. Maintenant, 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 by fire. Maintenant, maintenant, par le feu. Maintenant, maintenant, par le feu. Rabana. Minda Rababa. Sharababa. Ekaraba. Yerebesa. Mandarababa. Eyaraba. Eyaraba. Minderesa. Ekana Mandosa. Erebosa. Eradiase. Mandaraba. Shaprado. Shaliabado. Capradiaso. Mandiribado. Sharabadesa. Raduko Pradiasa. Mandusa Pradada. Ekaradadio Sopra. Imanti Karabada. Ropradiasa. Ladia Sopriadada. Karadia Sopri. Mandusa Prada. Kimantu Karadiaso. Radia Sopriadada. Minte Karaba. Lipradusa. Lepradadoshe. Malipradusa. Kalimantu Karababa. Lapradusepra. Lepradadoshe. Maliprodosa, Kamantuka, Leprada, Limandusa, Lepraduso, Kalatiako, Ladia Saprada, Ladia Saprada, Limantuka Rabada, Malabradadoshe, Ladia Saprada, Leprodosa, Karadiaso, Limantika, Lepradada, Lepradusa, Ladia Sapradada, Mimbradosa, Malipradu, Malapradu.
Brabea, Ipro Sapra, Ipro Sapra, Labia Sopra, Manti Karaba, Lepradado, Labia So, bien aimé, commence à renverser les trônes. Il renverse les trônes. Bien aimé, ces trônes doivent être renversés. Il renverse les trônes. Il renverse les trônes. Les trônes qui travaillent contre toi. Les trônes de ta famille, les rois, les trônes, les chefs de terre. Renversez-les maintenant. Qu'ils soient renversés du premier jusqu'au dernier. Du premier jusqu'au dernier. Toute personne qui s'oppose à ton mariage, qu'il soit renversé. Qu'il soit renversé. Localisé par le feu. 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 Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Par le feu. 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 Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant. Toute personne, tout trône qui est sous ma vie, soit renversé. Soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé. Faya, faya, faya ya ya, faya ya ya, ya ya, ya 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 ya, ya ya, ya 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 ya, faya, faya, ya ya, ya 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 ya, ya 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 ya, faya ya ya. Ya 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 ya, maintenant maintenant, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, maintenant, tout trône satanique, sorcellerique de ma famille qui parle de sorcières, tout trône maléfique des occultistes de ma famille qui règne sur moi, soit renversé maintenant, je renverse, soit renversé, localisé par le feu de Dieu. Arabada sopranada. Hey. Monte encore. Monte encore. Il est là, il est puissant. Il est là. Il va manifester sa gloire. Il va manifester sa puissance. Il y a une grâce exceptionnelle qui descend sur ta vie. L'éternel Dieu est en train de manifester sa gloire. Il est en train de renverser. Il renverse le roi. Il renverse les dominations. Bien-aimé dans le Seigneur, toute domination qui t'empêche d'accéder à ta couronne, d'avoir ta couronne, maintenant ça doit tomber. Ça doit tomber. Ça doit tomber. Ça doit tomber en un puissant. Et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons prier que l'éternel Dieu localise le totem de nos familles. Que l'éternel localise le totem qui te représente spirituellement. Que Dieu puisse enlever les caractéristiques, les symptômes de ce totem dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce totem-là, Dieu doit te le révéler. Dieu doit ouvrir tes yeux. Dieu doit ouvrir tes yeux. Alors que tu as mis ton manteau prophétique sur ta tête, l'Éternel commence à t'ouvrir les yeux. Dieu commence à te parler. Il va commencer à t'ouvrir les yeux sur les caractéristiques, la catégorie des totems de ta famille qui bloquent ta vie, qui bloquent ta destinée. Maintenant, maintenant, tu vas prier. Tu dis, Seigneur, tu es le Dieu de la révélation. Tu es le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2. Tu as dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Dieu, par ta puissance, je viens prier maintenant dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Je viens prier. Yahweh Adonai. Yahweh Sabaoth. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Par ta puissance. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, révèle-moi. La Bible dit que ton peuple ne sera plus jamais dans l'ignorance, dans la souffrance. Yahweh, viens maintenant. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels.
Ouvre mes yeux spirituels. Révèle-moi les totems de ma famille. Révèle-moi les totems qui bloquent ma destinée. Les totems de ma famille. Les totems de ma famille restreinte. De ma famille élargie. Révèle-moi les totems de ma tribu. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Révèle-moi. Révèle-moi les empreintes de ces totems dans ma vie, dans ma santé. Révèle-moi les empreintes de ces totems dans ma destinée. Yahweh, révèle-moi. Yahweh, ouvre-moi les yeux. Yahweh, ouvre-moi les yeux. Yahweh, ouvre-moi les yeux. Je ne vais pas prier dans l'aveuglement. Seigneur Dieu, quel aveuglement, quel aveuglement. Tombe, Yahweh. Tombe, Yahweh. Révèle-moi. Révèle-moi les totems, des totems de ma famille qui agissent contre ma vie, qui agissent contre ma destinée. Rababa. Sharabadados. Et rabadosepra. Mimradados. Karadiosapra. Limantu kapra. Ipradiaso. Radiasapra. Imandu sapra. Kaliprado. Ladiasoprada. Mimpradusa. Tu es le Dieu de la révélation. 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 Yahweh, révèle-moi. Yahweh, ouvre mes yeux. Yahweh. 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 Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, montre-moi. Yahweh, révèle-moi. Je t'appelle. Toi, le Dieu de la révélation. Je t'appelle. Toi qui nous révèles des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Tu nous as dit dans ta parole, rien n'est caché devant toi. Rien n'est caché devant toi. Yahweh, Yahweh, révèle-moi les totems de ma famille qui commandent ma destinée. Yahweh, Yahweh, enlève dans ma vie. Enlève dans ma vie les gènes de ces totems. Enlève dans ma vie les griffes de ces totems. Enlève dans ma vie les empreintes de ces totems. Je me désolidarise à tout totem maléfique de ma famille. Répète cela. Je me désolidarise à tout totem. À tout totem de ma famille. Tout totem maléfique qui réclame ma vie, qui réclame ma destinée, qui a forgé ma destinée, qui a détruit, qui a transformé en mal ma destinée, mon énergie, ma vie, mes émotions, mes sentiments. Yahweh mon Dieu, Yahweh mon Dieu, je me désolidarise de ces totems, je me désolidarise de ces totems, je me désolidarise de ces totems. Maintenant, 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 par le feu, par le feu, bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Et Rababa, Radiaso, Nimbradado Shepra, Limbradado She, Ladiaso Pradia, Malou Pradada, Malou Pradiaso, Ladia Pradada, Lado Sopradia, Mimbradado She, Ladia Saprada, Mimbradada, Lete Prada, La Sopradia, Mimbradadosa, Limbradea Se, Radia Sopra, Caradia Se, Lambrado, Limanadosa, Eka Pradada, Ipro Saprada, Menti Caradada, Miradadaba, Mantu Koraba. Continue dans la prière. Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Yahweh, montre-moi les totems qui combat ma vie. Je me désolidarise de ces totems. Je me sépare de ces totems maléfiques. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je me réveille du totem de Dieu. Le totem divin. Le totem divin. Le totem de Dieu. Le totem céleste. Le totem de Dieu. Le totem du conseil céleste. Je me connecte au totem de Dieu. Je me désolidarise à tout totem maléfique de mon pays, de ma famille, de ma tribu, de ma famille restreinte, de ma famille élargie. Je me désolidarise de tout héritage maléfique de la lignée de mon père, de la lignée de ma mère. Je sors de l'emprise des prêtres qui servent ces autels, qui servent ces totems. Un nom puissant
et précieux des chefs du Christ, j'annule toute sanction qui était déclarée contre ma vie. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute sanction déclarée contre moi par les totems maléfiques sont annulées maintenant par le feu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que tout totem qui réclame ma vie, maintenant lâche ma vie, par le feu, je me désolidarise, de ces totems, que les caractéristiques de ces totems maléfiques soient ôtées de mon corps, maintenant, je me désolidarise, j'ai l'arbre généalogique maléfique de ma famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me connecte à la source de Dieu. Je me connecte à l'arbre de Dieu. Je me connecte à la source de Dieu. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé, commence à rendre grâce à Dieu. My God, yes, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Il est vivant. Il est le Tout-Puissant. Il a agi. Il a écouté tes prières. Il a exaucé tes prières. Commence à lui dire merci. Merci parce que tu vas vivre cela. Merci parce que tu vas toucher cela. Merci parce que tu vas le vivre. Merci parce qu'il agit maintenant. Maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Reste connecté dans la prière. S'il n'y a pas une autre orientation, continue dans la prière, tel que nous avons dit. Bien-aimé dans le Seigneur est en train de manifester sa gloire. Dieu est en train de manifester sa puissance. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Je voudrais saluer tous les couronnés. Vous êtes couronnés de grâce. Vous êtes couronnés de bénédictions. Vous êtes couronnés d'abondance. Vous êtes couronnés de miracles. Vous êtes couronnés de délivrance. Un puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux faire monter des fires. Fais monter des fires devant le trône de Dieu. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Et que le Seigneur vous visite en toutes choses, maintenant, un nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.